l'intérêt de Canary 2, c'est bien en fait de cibler des populations les plus à risque de par leur lieu d'habitation ou leur exposition professionnelle, telles que les marins pêcheurs et les exploitations agricoles, et également les populations les plus sensibles, c'est-à-dire les femmes enceintes et les jeunes enfants. L'étude Canary 2 s'intéresse aux enfants pour qu'on puisse avoir enfin une connaissance suffisante de l'état de l'imprégnation en chlordécone des populations infantiles aux Antilles. Pour les enfants, nous n'avons pas de connaissance des modalités de contamination et nous voulons savoir si elles sont différentes de celles des adultes. Donc cette étude nous permettra aussi de savoir si, contrairement aux adultes où la contamination est essentiellement d'ordre alimentaire, voire professionnel, ce qui ne peut pas être le cas des enfants après, si d'autres modalités sont détectées. Et enfin, connaître ces facteurs d'exposition nous permettra de mieux cibler tout ce qui est messages de prévention adaptés aux populations concernées. Alors, forcément, personne n'aime les prises de sang et c'est normal. Toutefois, aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir déterminer le taux d'imprégnation en chlordécone d'un individu, y compris les enfants. Du coup, c'est vrai que pour les enfants et pour doser la chlordéconémie comme pour tout autre type de prise de sang réalisée chez les enfants, il est possible déjà de préparer l'enfant en lui expliquant comment ça va se passer, ce qui permet souvent quand même de diminuer l'anxiété en lien avec le geste. Et il est possible bien sûr d'appliquer chez l'enfant une heure avant la réalisation du geste des crèmes anesthésiantes sur les zones de prélèvement qui sont en général les plis du coude. Enfin, pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir pour faire ce dosage, plus que pour faire une autre prise de sang quand on souhaite réaliser ce dosage et savoir le taux d'imprégnation de son enfant.